you? Bonjour tout le monde, ici Yakipon de retour sur Pokémon Bleu. Et nous continuons notre avancée pour les buter la gueule à pierre. Et il faut monter ce Bulbizarre niveau 12-13. Parce que je sais plus en fait si c'est vraiment niveau 12 ou 13 pour le Fouillian. Bon, évidemment, c'est facile maintenant, tout ça. Ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. C'est que, on a oublié un combat. Un combat contre Lup, notre cher rival, qui est vers la route victoire, et que j'ai sauvagement oublié. Donc, ouais, certes, c'est cool parce que, ben, je perds pas beaucoup de temps. Mais est-ce que ça veut dire que la prochaine fois que je vais à la route victoire, il y sera? Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il aura des Pokémon de niveau 8-9? Parce que je crois que c'est dans ces eaux-là qui baignent. Niveau 12. S'il te plaît. Non! 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 Oh putain, mais au final, c'est... Oh, au final, mais c'est pas ça! Je suis dégoûté! Putain! 269 d'XP! Eh ben tant pis, il va falloir l'XP. Ben en fait, je me pose la question. Est-ce qu'on va aller voir Philippe dans ce cas-là? Je sais pas en fait, putain. Ah, ça m'embête, il faut que je monte niveau 13. Bon, ben je suis désolé, vous allez devoir regarder un peu de farm. Ah, je suis dégoûté. Oui, par contre, petite explication, parce que je pense que vous avez vu qu'il y a un petit saut. Entre la première et la deuxième vidéo, Bulbizarre est passé niveau 11. C'est normal. J'ai voulu record, et j'ai oublié d'activer mon son. Voilà, donc en fait, ça a donné 5 minutes, je dirais, de vidéo pour rien au final, hein, juste de l'XP. Bon, au final, ça vous a épargné 5 minutes de farm. De toute façon, à la fin de la course, on verra sur le temps en jeu ce que ça a donné et pas le temps en vidéo. Bref, on va se diriger vers comment il s'appelle, Philippe. Et Crisacier, comment tu fais pour esquiver? Ah, ça y est. Non, parce que c'est mignon, Crisacier, tu vois, ça te soigne et tout, mais si tu esquives les attaques, je suis pas très jouasse. Hein? Voilà. Bon, évidemment, l'éternelle armure, hein, apparemment, ils ont que ça. C'est moche, quand même. C'est comment ils font? Parce que les Crisaciers, ce sont des chenibans qui ont évolué. Sauf que chenibans a quand même chargé ses sécrétions. Et Crisacier ne fait que armure. C'est pas normal, on est d'accord. Ouais, mais il fait vraiment que ça. Que ça. Oh merde, mais il me reste très peu de PP de charge. Ah mince. je pense qu'on va aller se soigner, et puis tant pis. Oh merde. Ouais. J'en ai marre de me taper des allers-retours de con. Ben à la place, on va mettre au cool. Ça pourra le faire XP un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Mais merde! Je suis dégoûté. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, de toute façon, quelqu'un me met des bâtons dans les roues. Je trouve ça chiant. Et puis le petit... Je sais, je vais essayer d'arrêter, promis. Je sais que c'est pas très cool d'entendre à chaque fois... Début de phrase... Mais bon, je fais pas exprès. Hein. Je fais pas exprès, c'est un tic de langage, je dirais. Ou plutôt un tic d'enregistrement, parce que dans la vraie vie, je suis pas des gratuits. Ce serait un peu con, t'imagines, le mec. Bonjour, vous êtes en salle d'attente, et puis t'entends un mec à côté de toi. Sur le coup, tu dis qu'il est bien chez le médecin pour quelque chose. Oh. Bon, j'espère qu'on va éclater la tronche à Pierre, quand même. Hein.
et que toute cette attente vaut le coup, parce que j'en ai un peu marre, je vous accorde. Je sais, il va me falloir farm plus tard, tout ça, capturer des Pokémon. Mais voilà, je sais pas. La la la. En fait, il y a un truc qui me dérange avec les centres Pokémon dans le jeu, c'est que tes Pokémon sont limite des fois à l'article de la mort. Ils en prennent plein la gueule. Et tout ce que te trouve à te dire l'infirmière Joël, c'est à bientôt. Genre, reviens vite. C'est dégueulasse. C'est pas gentil. Bon, pourquoi j'ai laissé Roucoule au fait, maintenant que je les ai soignés, il a tous ses pépés, bizarrement. Bon, tu vas me dire, ça lui donne un peu d'XP, parce que le pauvre... Ce serait bien que Roucoule remonte de niveau. Eh ben voilà. Fallait juste demander. Alors, Roucoule... Oh, j'ai de sable. J'ai de sable, c'est vraiment... une attaque de pute, y a pas d'autre mot. C'est que... t'en mets un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, je crois que c'est cinq le maximum. Et après, ben, le mec, il peut juste rien faire. Déjà, t'en mets un, il rate une attaque sur deux, là. C'est d'un relou. Et alors, air bizarre, en plus, qui a pas forcément beaucoup de précision, ben, je te raconte pas. Ah ben, je te dis pas. Je te dis pas. Bon, ce serait bien qu'on le touchote, lui, là. Genre, un, deux, pan. Eh ben, voilà. Coup critique. Oh, quel dommage. Bon, bah faut XP, hein. Je suis désolé de vous infliger ça. Mais il faut XP. Bon, ça va, encore j'ai de la chance, je me tape des niveaux 4. Ça aurait pu être des niveaux 2. Ah, punaise. Par contre, j'ai un petit souci. C'est qu'apparemment, je vais en chier pour le mont Sélénite. Parce que si j'ai juste but bizarre... et qu'en face, il y a 15 000 Noceraptis avec leur vampirisme de merde, qui est une attaque insecte, je crois, si je dis pas de bêtises, et que l'insecte, ben, Bulbizarre n'aime pas ça, et ben, ça va pas être cool. Herbizarre, moi je pense déjà à la fin du jeu. Alors, mon Florizarre, là, niveau 58, parce que voilà, il a des grosses attaques, il fait très mal. Si t'as vu. Non, c'est Swaglord. C'est le petit Swaglord. Le petit Swaglord est attendu par ses parents. D'ailleurs, j'aime bien parce que... il te file quand même un Bulbizarre, un Carapuce et un Salamèche, le professeur Shen. Bon, ce sont des starters. Mais... comment il les a eu, quoi? Parce que ils te disent que comme c'est des starters, ben, ils sont uniques et donc il n'y a que lui qui les a capturés, mais ils viennent bien de quelque part, ces Pokémon. Et oui, personne n'y réfléchit à ça. C'est que le professeur Shen, il a dû faire des trucs très malhonnêtes pour les avoir. Sachant que la reproduction n'existe pas dans Bleu et Rouge. Eh ben... trop d'explications qui n'ont pas été données. Bon, tu vas me dire, déjà, le jeu est assez complet comme ça. C'est en plus y rajouter la pension du type or argent avec les œufs. Ça aurait pas été... on va dire génial. Il y avait déjà assez à farmer comme ça sur la première génération. Mais d'un côté, la pension elle était obligatoire dans l'argent parce qu'on se retrouvait avec tout Doudou, Mélo, Pichu, des trucs comme ça. Donc bon. Magby. Et les kids. Il est petit. Ah, Capoeira et des Bugans aussi. Ça avait oublié eux. Enfin, des Bugans, du moins. Capoeira, c'est une évolution de débutant. Si elle a des stats égales et tout, c'est un bordel, ça aussi.
faut qu'elle prenne un niveau et qu'elle ait le même les mêmes dégâts d'attaque et de défense. Enfin, le même nombre d'attaques et de... Oh putain, Fouillian, ça y est. Allez, maintenant on va aller péter la gueule à Pierre. On est parti là, 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 on est déterminé. Pousse-toi de mon chemin. Oui, à bientôt, oui, hein. On lui dira. Oh mon dieu. Elle arrive quand même à les soigner juste avec une machine. Alors que dans la série, il y a quand même tout un gros flanc sur le fait que Pikachu va pas bien, qu'il faut qu'il se repose, tout ça. Bah dis donc. Quelle simulatrice, ce Pikachu. Bon allez, c'est parti, go, YOLO. Une minute, gamin. Et reviens, gamin. Bon alors. Oh mon dieu, il est dégueulasse. Allez, on a droit à quoi? Un caillou? Ah, tout piqueur. Ah bah merde. Oh non, j'ai laissé Roucoule le gland. Bon, tu vas me dire, il va gagner de l'XP, mais... Oh, le con. Bon, normalement, c'est easy peasy, hein. Ah, griffe. Salaud, depuis quand t'es plus rapide? Hé hey! Arrête! Ah, je l'ai one-shot! Allez, c'est parti! Ouais, Roucoule! Il a pris deux niveaux, là, Roucoule, non? J'ai pas rêvé. Trop cool. Trop cool le Roucoule, lol, MDR, trop drôle. Oui, Sablette, nous allons te one-shot, tout simplement. J'aime bien Sablette, je trouve mignon, moi. Salaud! Non! Non! Pas le jet de sable, non! Non! Ah, mais c'est pas vrai! J'en rentre pas de peau avec ça, hein. Et allez, oh là là! Vas-y, griffe-moi, je te dirai rien, hein. Non mais c'est pas vrai, il fait exprès ou quoi? Allez, t'as raté, allez! Crève! Vas-y, crève, crève, vas-y, crève! Oh, mais putain, il m'a filé du fil à retour, dis donc! Oh, fais chier, faut que j'aille le soigner, sinon je tiendrai jamais contre Pierre. Je suis dégoûté. Punaise! Oh, je suis ZF, là. Oui, à bientôt. Oh là là, dépêche-toi. Bon, après Pierre, go le Mont-Sélénite. Il me faut un rondoudou ou un mélofé sur le chemin. De toute façon, le Mont-Sélénite, je pense que je vais en chier, donc j'aurai le temps d'en croiser un de Mélofé. Et au pire, on ira le chercher plus tard. Hein. J'en ai besoin pour, on va dire, pour mon équipe finale. Je suis Pierre, je suis champion d'Argentin. Je crois la grande résistance à la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Je suis très drôle. Pourquoi je lui fais une voix de dieu? Hé, hey, il a les yeux ronds, il n'a pas les yeux plissés. Oh merde. Il les a triangulaires. Oh, c'est la... C'est un Illuminati qui veut devenir Super Saiyan. Oh mon dieu, c'est Rakaillou. Le Rakaillou. Oh mais j'ai encore laissé Roucoule. Je fais exprès, c'est pas possible. Bon, j'espère que je vais one-shot le Rakaillou parce que... Ah, boule armure. Ah mais ça augmente la def, pas la def spéciale. Parce que la défense spéciale, en fait, c'est dans spécial sur bleu et rouge. C'est pour ça qu'il y a des Pokémon qui sont très très OP. C'est qu'ils ont autant d'attaques spéciales que de défense spéciale au final, et donc ça fait très mal. Oui, sois grand niveau 14. Pierre va appeler Onyx. Bah ça, on le savait. Et non, je veux pas changer de Pokémon. J'espère que je vais le two-shot, parce que si me patience... Ah, les oreilles. Allez, allez, allez. J'ai les one-shot. Dieu, Pierre, mais pourquoi? Deux fois Liane et c'est fini. Allez, donne-moi le badge.
C'est un match officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon sont des détenteurs de l'un plus puissant. La technique Flash peut être utilisée. Génial. Attends, prends ça avec toi. Voici la CT-34. Une CT capsule tech contient une attaque à enseigner un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois, alors choisis bien le Pokémon à qui la donner. CT-34 contre impatience. Oui, oui, on sait. Mais, hein, il a dit que ça infligeait le double. Normalement, quand tu le fais en combat, il dit qu'il envoie la sauce. Ce qui est dégueulasse, on est d'accord. Allez, j'aime bien me manger les murs. Bon, on a vu tes pierres. C'est le swag international. Et maintenant, on va aller voir mon personnage préféré. Je vous l'avais complètement teasé lors du premier épisode. Vous savez de qui je veux parler. Vous le savez. Et je sais qu'il est par là. Quelque part. Sur la prochaine route. Donc on y va. C'est parti. YOLO. Oui. On y va. Allez, on y va, c'est toi, Jean. Ouais, non, on va aller voir la fille d'abord pour XP. Hein. Faut quand même battre des dresseurs parce que XP, c'est pas mal. Comme ça, au moins, tu prends de l'avance pour la suite. Et puis des petits combats comme ça. C'est une fillette. La fillette. Fais appel à Roucoul. D'accord. Ben, Roucoul. Un combat intéressant entre des tornades et des Roucoul. Ah ouais. Eh, c'est qui fait mal, le con. Eh, je fais pas aussi mal, moi. Oh non, le jet de sable, ça y est, ça commence. Mais ça m'énerve. C'est quand même incroyable, le jet de sable. C'est juste chiant pour être chiant. Allez, mange. Et lui, par contre, il arrive à me toucher. C'est dégueulasse. Oh là là, il me reste 9 points de vie. Bon, on va changer de Pokémon. Hein. Oui, je sais toujours pas où est mon onglet Pokémon. Hein, c'est pas grave. Allez, en avant, Bulby. Ouais, mais si je fais Fouillian, il va pas prendre cher, en fait, s'il est vol. Ouais, c'est ça. Bon, je suis con. J'ai été choqué que Tornade soit normal, en fait. C'est ça qui m'a... Ça m'a complètement mais déstabilisé, quoi. Après, je me suis mis en pleurer. Je fais super bien, le mec qui pleure, non? Oui, niveau 15, mon dieu, mais t'es en ascension, mon pauvre. Et un deuxième Roucoul. Est-ce que tu connais la diversité des Pokémon dans ton équipe, petite? Espèce de fillette. Parce que c'est cool aussi, tu sais, de changer de Pokémon, de pas mettre 15 000 trucs. J'en ai marre. Non mais s'il te plaît, arrête d'esquiver. Arrête avec tes jets de sable. Ah, mais ta mère. Mais c'est chiant, jet de sable. Non mais c'est pas vrai. Je peux te toucher, s'il te plaît? Ah, c'est pas trop tôt, quoi. Et allez, allez, t'as raté, bim. Et moi, je t'ai touché. Non, mais il reste un point de vie, c'est pas vrai. Mais j'ai de sable, c'est rigolo. Mais c'est pas vrai. Mais c'est chiant, j'ai de sable, mais c'est chiant. Allez, bim, casse-toi. Voilà, je sais même plus parler. Punaise. J'ai vaincu fillette. C'est ma faute. Quoi? Je m'en fous de ta photo. Allez, les genoux, les genoux. Et on s'est déjà vu dans la forêt. Bon, ben non. Ça, c'est sûrement le suivant, quoi. C'est sûrement le suivant. Scoot veut se battre. Scoot fait appel à Chenipan. Go, Roucoul. Est-ce que Roucoul peut lui faire des dégâts? Ouch. On va changer de Pokémon, hein. Science pas drôle. Non. Sauf que ça commence à devenir critique, là. J'ai mon Swaglord en mauvais état. J'ai mon Roucoul en mauvais état. Vampigraine, soigne-moi. J'espère que maintenant que je suis niveau 15, ça va me prendre plus que un point de vie, quand même. Non mais... C'est trop bien, Vampigraine. Allez, on charge. Oui, oui, bah lui aussi. Oh mon dieu, un coup critique, au lieu de 3, il m'a fait 4, lol. Et la vampigraine qui vampigraine. Et derrière Pegasus, c'est Pegasus. Oui, Roucoul niveau 9, bravo le veau. Scoot va appeler Aspico. Non, je ne change pas.
Parce qu'Aspico ne fait rien en plus bizarre. Et la vampigraine qui... Bon ben voilà. C'est pas drôle, donc lui il me fait une sécrétion, c'est dégueulasse. Mais pourquoi je fais Fouillane? Non, il va pas prendre de dégâts. Bravo le veau. Putain. Ah, Darvena. Hey, t'as pas 3 quand même. Ouais, ben, sachant qu'il y a un autre Pokémon derrière, j'espère que ça va aller. Oh non, que c'est point de vie. Bon, je peux me prendre 3 attaques d'un Pokémon. Chenipan. Bon, ça aurait été mieux que ça soit un Chrysacier pour une fois, mais... Chenipan niveau 10. Allez. Allez. Faut que je mette 3 attaques dans la tronche. Ah, c'est bon, ça va passer. Ouais, c'est bon, ça passe. Allez. Oh, salaud! Oh non! Le retournement de situation! Putain, non, je vais jamais y arriver. Mon coup, il va se bouffer une charge. Oh! J'ai plus de vitesse que Chenipan. Allez! J'ai cru que j'allais y passer quand même. Hein. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Oui, ben, je t'ai encore battu. Oui, très bien. On se casse. On verra le bonhomme de demain. N'importe quoi. La semaine prochaine. Bon, ben on va se quitter, hein, on va aller soigner nos Pokémon, on va se faire entendre à bientôt, et je vais vous laisser là. Donc n'oubliez pas de nous suivre partout sur Internet, hein, parce que Internet c'est la vie. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, parce que ben, on apprécie. Si vous avez des questions ou quoi, on y répond. Vous retrouvez mes aventures la semaine prochaine, et sinon, le reste de la semaine, vous avez mes collègues. Donc voilà. Je vais quitter devant le mec, comme ça au moins la prochaine fois on commence avec lui et on le démonte avec ses genoux qui sont gardés bien au frais. Donc voilà, non, il n'y a pas un mec en bas, je sais pas, bon bref, j'aime bien me prendre les murs. Donc voilà, on va se quitter là, je vais sauvegarder, je vous dis à très vite, ça fait déjà 1 heure de jeu de Pokémon, c'est quand même énorme. Et bon ben voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Si, allez, des petits bisous. Hein, des petits bisous partout. À très vite, à très vite. Et si je coupais là maintenant, parce que... Allez, je coupe.